Regardez-moi cette vue les gars, Etienne là. Moi je vous dis, ça va être bien. On reste deux jours là. Ça va être bien, ça va être bien. Déjà là on vient de faire une bleue, c'est déjà le feu. Donc bon, voilà, et regardez la vue, comment c'est stylé. Voilà, voilà quoi. Ça perd. Wesh, la vitesse. C'est lourd les gars, vraiment. C'est le feu. Quand je vous dis que c'est le feu, c'est le feu. Je vais me le mettre. C'est belle, Mouloud. Là, c'est gras, ouais. Wow. Oh. Ah bah tiens, c'est parti là. Ah là c'est parti les gars. J'ai totalement perdu l'arrière. Ça repère. Oh comment c'est gras, comment je perds l'arrière là, c'est abusé. J'ai perdu l'arrière, je suis parti en drift sur le cul. C'est parti les gars, on y va. On a roue. Comment on est bien? Les gars, ça tabasse là. Oh, oh comment. Wow. Mec. Attends, il y a un mec qui arrive. Mec, par contre, ça a enroulé tous mes câbles. Je peux faire pareil que tout à l'heure. Thank you.
Mon pneu il a fait un putain de gros bruit. Ah ouais? Ouais, j'ai déjanté. Il y a du tubeless qui est sorti. Il a fait un putain de gros bruit. Ah ouais? Je suis Attends, je suis crevé, Étienne. J'ai perdu Théo. C'est parti les gars. Théo il a une deux mèches dans son pneu. C'est bien la galère. Et là on repart. C'est parti les gars, ça tourne. On va refaire une descente avec la petite rouge. Salut les vaches. Oh. Faut me la mettre. La glisse soi. Le temps de freinage, ça finit pas. C'est violent. Ça jump. Échec total. C'est père. Elle est déjantée cette piste hein. Ouais. C'est incroyable. C'est son nom. Salut les amis, on repart avec Théo, on a mangé comme des porcs et puis on repart. Thank you.
faut que je lire, hein. C'est là. Allez les gars, on est reparti au jet. On va redescendre là-bas, on va remonter et puis on va redescendre. C'est incroyable ce que je vous dis. Yes, je vous tape contre la barre. En vrai, une batterie pour l'après-midi, ça suffit quasiment. Ouais, pour la journée, ça va être chaud par contre. Et voilà. Ça jump pour le petit. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh putain, je voulais sauter ça, mec. Je suis monté un peu haut. Ça sert à rien, on était en vrai, c'est une femme. Wesh, nous là. Du génie. C'est parti les gars, petite descente de famille. Et gaffe qu'il n'est pas qui arrive de gauche. Magnifique ici là, vous pouvez pas vous rendre compte là, mais allez, vous pouvez vous rendre compte. C'est magnifique. Il y a des montagnes. Des montagnes qui montent. Oh, oh, oh. Ah les gars, Théo est tombé là. Ça va mon cochon? Ça va, j'ai pris un beau petit choc, mais ça va. Ça va. Ça va, les gars, Théo s'est relevé. Il a fait une petite chute, je crois que c'est rien de grave, mais c'est pas grave. Ouais. C'est logique ce que tu dis, je crois. Rien de grave, mais c'est pas grave. Là, ça va jump, les gars. Ah, ah, ah. T'as mal où? T'as mal où, mec? Ça va? T'as mal où? Assis-toi, assis-toi. Ah mon épaule. Assis-toi, assis-toi, calme-toi, calme-toi. Oh putain, t'as l'épaule. Attends. Je crois que tu t'es cassé l'épaule, mec.
Bah ton épaule elle a une position bizarre là. Ah. Oui, il y a Étienne qui vient de faire une chute, je crois qu'il a un problème à l'épaule, il s'est déplacé l'épaule là. Tiens, bah j'y vais. J'ai mon pote qui vient de tomber, il s'est déplacé l'épaule, il est juste en dessous là. Sur la rouge. Alors il est tombé sur la rouge. Sur la rouge là. Okay. En dessous, juste en dessous là. Juste en dessous de la ligne après les sabots. Ouais. Ok, il a quoi l'épaule tu dis? L'épaule déplacée, elle est descendue là. Ok, d'accord. Je retourne, j'ai pas besoin de rester là. Bah, il arrive, ouais, retourne. Il sécurise un peu le haut de la piste. Ouais, mais il y a déjà mon père en bas. Ouais. C'est bon, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, petite chute d'Étienne. Il s'est fait une luxation de l'épaule normalement. Mais bon, là il va à l'hôpital donc on verra plus tard. Voilà, voilà. Donc voilà les gars, Étienne part avec les pompiers. Normalement rien de grave, normalement c'est juste une luxation d'épaule, on n'est pas sûr, mais normalement il y a que. Enfin, déjà il y a que ça. Après on n'est pas sûr que c'est une luxation d'épaule, mais en tout cas il s'est déplacé l'épaule. Donc voilà, rien de trop grave, mais il va avoir une attelle. Donc plus de vélo pendant un petit moment. Voilà, voilà.